celui qui m'a aimé le premier. Béni sois-tu, Dieu d'amour. Béni sois-tu, Dieu de bonté. Béni sois-tu, parce qu'en ce matin, tu nous prouves encore ton amour et ta fidélité. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'il est bon d'être là dans ta présence ce matin, Seigneur. Qu'il est bon d'être là ce matin pour chanter ton amour pour nous. Parce que oui, en ce jeudi saint, tu nous donnes ton corps et ton sang comme nourriture et boisson, par amour pour nous. Tu nous as aimés et tu nous as aimés jusqu'au bout, jusqu'au point de t'offrir entièrement pour nous. C'est pourquoi ce matin, nous voulons chanter ton amour. Que cet amour que tu nous as donné gratuitement, Seigneur, que nous sachions transmettre également cet amour autour de nous. Que nous sachions transmettre ce même amour autour de nous, mais d'abord en nous-mêmes. Donne-nous de recevoir ton amour, d'accueillir ton amour pleinement et ensuite de partager ton amour. Nous voulons chanter combien tu nous aimes. Tu ne nous as jamais abandonnés, Seigneur. Tu ne nous as jamais laissés. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes debout aujourd'hui. Parce que beaucoup n'ont pas pu voir ce jour, beaucoup n'ont pas pu voir ce jeudi. Ce jeudi saint, beaucoup n'ont pas pu le voir. Mais toi, Seigneur, tu nous donnes le privilège d'être là ce matin. Quel amour pour nous. Tu as toujours été là avec nous, tu as toujours été fidèle. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te chanter. Si le monde m'abandonne, si mes parents m'abandonnent, ton amour veille sur moi, je vivrai. Si parfois je suis ton le
premier. Oh, oui, ce monde est comme ma fleur qui emporte tout au loin les soucis, les peines, les joies, le celui qui m'a aimé le premier. Oui, Seigneur, tu m'as aimé le premier. Tu m'as donné ton corps et ton sang à manger et à boire pour la vie éternelle. Et cet amour que tu manifestes, Seigneur, tu me demandes également aujourd'hui de t'aimer et d'aimer mon prochain de la même manière que tu m'as aimé. Alors Seigneur, donne-moi la force d'aimer. Seigneur, donne-nous la force d'aimer. D'aimer comme tu nous as aimés. D'aimer malgré la trahison. D'aimer malgré l'humiliation, d'aimer malgré les difficultés. Donne-nous d'aimer, Seigneur. Et en ce jeudi saint, nous voulons te prier pour les prêtres, pour le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, afin qu'à eux aussi, Seigneur, tu leur donnes la force d'aimer, la force d'aimer ton peuple, la force de te servir et de servir ton peuple avec amour, la force de servir comme toi tu as servi tes disciples aujourd'hui. Seigneur, nous te confions les prêtres, en particulier les prêtres que nous portons dans notre cœur, ceux à qui nous sommes plus attachés, ceux que nous portons dans nos cœurs, ceux qui sont malades, ceux qui n'arrivent plus à dire les messes pour une raison ou pour une autre. Seigneur, nous te confions tous les prêtres de nos vies, les prêtres que toi-même tu as choisis, les prêtres de ton Église, afin que tu les soutiennes, afin que tu te montres comme ce Dieu d'amour également dans leur vie, afin que tu les remplisses de toi, pour que, à leur tour, ils puissent également partager tout ce que tu leur as donné avec ton peuple. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous disons : je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère des prêtres, priez pour nous. Marie, Reine des apôtres, priez pour nous. Marie, Mère des disciples, priez pour nous.
Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom à toi, bien-aimé, que la paix et la joie de notre Seigneur demeurent avec toi durant toute cette journée. Bon jeudi saint à toi et que Dieu te bénisse.